Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, je vous signale que vous pourrez gagner 20 City Cash sur Habbo City grâce à cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, si vous avez envie de participer, c'est de vous abonner juste en dessous de la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications, de mettre un pouce bleu et d'écrire autant de fois que vous le voulez City Cash en commentaire. À la fin du mois, je tirerai un gagnant sous cette vidéo qui repartira avec 20 City Cash. Et ce n'est pas tout. Si on atteint les 100 pouces bleus sous cette vidéo, je double le nombre de City Cash que je vous offre. Je vous offrirai donc 40 City Cash au lieu de 20. Bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous. Donc, alors, on va faire un jeu automatique. Prêt? Habbo et Minecraft. Du coup, bah, le nom du jeu, c'est Star sous Soleil. Ok, là, on voit que le jeu, il est dans la liste des lieux publics. Donc, Star sous Soleil, hop. Donc là, on va taper directement règles pour voir les règles vite fait. Ok, tac. Faire partir les mobiles en réécrivant la phrase sur la dalle fléchée. D'accord, ne pas se faire toucher par les vigiles et ne pas toucher les dalles rouges. Ah. Et en moins d'une minute et 30 secondes. Ok, donc il y a des vigiles. Faut pas se faire toucher par les vigiles. Faut aller sur les dalles fléchées et réécrire les phrases sans toucher les dalles rouges. Voilà, d'accord. On a compris le principe. On va tester ça tout de suite. Hop, en moins de 30 secondes. Je suis où? Je suis là. D'accord. Ok, donc faut réécrire la phrase. Faut réécrire la phrase. Pourquoi il n'y a pas de phrase? Tu dois aller chercher. Ah, d'accord, j'ai pas lu. Tout d'abord, tu dois aller chercher la pile de vêtements en allant sur la dalle fléchée. D'accord, donc je vais aller chercher la pile de vêtements. Elle est tout au bout là-bas. Hop, on va essayer de pas toucher la dalle rouge. Voilà, alors récupère la pile de vêtements. Voilà, j'ai récupéré la pile de vêtements, mais j'ai perdu parce que j'ai pas été assez vite. Ok, donc on recommence. Allez, c'est reparti. Tac, allez, on peut le faire, hein. Donc c'est la même phrase, récupère la pile de ouloulou, vêtements. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah, ouh, c'est bon. Et maintenant, je vais aller où? Dirige-toi vers la barquette de frites. La barquette de frites. Ah, c'est ici. Ok. On a la barquette de frites. Non! Ah, c'est bon. Ok. Donc, ça, c'est la phrase. Ok. D'accord. On va juste essayer que le. Ah, ouais, il y a un temps aussi. Donc, du coup, je dois écrire ça. Ok. On va faire ça. Alors, mange la barquette de frites. Ok, c'est bon, let's go, go. Voilà, on a ça. Oh, fais attention, un deuxième vigile. D'où il y a un deuxième vigile? Et je dois faire quoi là? Dirige-toi vers le câlin. Le câlin, c'est. Le carlin, pardon. Le carlin, c'est le chien. D'accord, du coup, on va devoir aller vers le chien. On va vers le chien. Hop. Là, on doit dire ça. D'accord. Ok. Allez, on va faire le tour. Je vais écrire déjà le mot. La phrase. Caline. Cacaline. 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 Bon, bah j'ai perdu, j'ai mis trop de temps. C'est assez compliqué. Ce qu'on peut faire comme technique, on écrit la phrase de base. Donc on va réécrire récupérer. Récupère.
la pile de vêtements. Comme ça, on aura la phrase et il suffira juste de copier-coller. Vêtements, tac, on a ça. Vêtements, tac, super. La phrase suivante, c'est récupère non, c'est mange la barquette de frites. Tac, et après on a câline le carlin mignon. Tac, on a ça. Ok, super. Donc on va copier la première phrase. Hop, comme ça on va la faire directement. On va aller sur la dalle adéquate. Donc c'est bon. Hop, voilà. On va directement sur la dalle. Là, on écrit la phrase. On la colle. Nickel. On a ça. Maintenant, on va aller directement ici. On copie la deuxième phrase. Alors, la deuxième phrase. Tac, ici, là. Voilà. Ça, c'est fait. Non. J'ai fait une faute. Mange la barquette de frites. Ok, j'ai fait une faute. Super. On enlève le R. C'est bon. Tac, on a ça. Voilà. Hop, c'est bon. Allez. Non, j'ai marché sur la dalle. Donc on réécrit, on va réécrire, tac. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, hein, parce que c'est un petit jeu, ça devrait le faire normalement. Ça, on peut gagner ce badge apparemment. Donc c'est un badge pas mal du tout avec une otarie ou non pas une otarie, une baleine, voilà. Avec apparemment ses petits, je sais pas si c'est ses petits derrière. Donc voilà, on a ça. Ah ok, on réécrit. Et voilà, si j'ai fait ça comme ça, tac, c'est bon. Maintenant, je vais sur cette dalle-là. Hop, je mets la phrase. Super, on a ça. On retourne ici. On fait le tour. On va sur cette dalle-là. Hop, maintenant, on mange des frites. Donc, on mange les frites. Là, il y a le temps en dessous qui défile. Donc, ok. On copie le câline, le câlin, le carlin. Tac. On va ici, là. Ok. Ah, c'est vite. Ouf. Et dirige-toi vers la photo de Lady Gaga. D'accord, c'est la photo de Lady Gaga. Ok. Non, j'ai marché sur la dalle. Ok, donc on n'a pas la dernière phrase. On va recommencer. Je ne sais pas si je copie toutes les phrases, ça peut fonctionner. On va tester cette technique. On se dirige directement vers la dalle. Là, hop. Non, ok, d'accord, ça fonctionne pas. Du coup, on va se laisser prendre par le. Comment il s'appelle? Le vigile. Hop. Donc, on va faire la première phrase. Après, on fait la deuxième, la troisième, etc. Et apparemment, il y a d'autres salles. Je ne sais pas pourquoi il y a d'autres dalles là. Donc, on va voir directement. Tac, on va faire. Donc. Première phrase, on a ça. Ok, on a marché sur la dalle, nickel, on recommence. C'est pas grave, hein. Tac, on a ça. C'est parti. Allez, go. Ok, donc on va là et là, on écrit la phrase. Ok, ça c'est fait. On va sur cette dalle ici, on copie la phrase. Ok, et on la colle. Super. Maintenant, on va ici, on copie la phrase et on va directement. Ouf. On va directement ici. Ok. Maintenant, on va aller sur Lady Gaga, enfin à la photo de Lady Gaga et on va essayer de réécrire la phrase. Tac, parce qu'il y a la dalle, donc vole les photos de Lady Gaga. Donc ça c'est la phrase. Ok. Donc si je la copie, hop. Oh, merde. Mince, pardon. Donc je vais tout réécrire en fait. Du coup, on va tout réécrire. Ok. Donc on a en premier temps, on a récupère la pile de vêtements. Hop. Ensuite, on a mange la barquette de frites. Après, on a
Kaline. Kakaline. Le carlin. Mignon. Hop. Voilà. Et après, on a vol les photos de Lady Gaga. J'espère que j'ai pas fait de faute dans vol les photos. Ouais, et les autres non plus. J'espère. On va tester tout ça maintenant. Donc, on copie la première phrase. Voilà. Hop. Et on y va. Première phrase. On y va directement. Et on tape la phrase. On la colle. D'accord. Super. Je me suis fait. Là, on va juste faire le tour ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis un espace devant. D'accord. Donc, si on met un espace devant, il faut faire attention. Voilà, j'ai perdu. Donc, j'avais mis un espace devant. Aucun souci. Récupère. C'est juste là que j'ai fait la faute. Hein. La pile de vêtements. Ouais. Ok. C'est juste l'espace devant. Donc. Ok. C'est bon. Maintenant, on va. On va ici. Hop, on mange des frites. Ok, on mange des frites. On mange des frites. Oh non, 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 non. Barquette, ouais, il y a deux T. Barquette, d'accord. Barquette de T. Pourquoi j'en ai mis qu'un? Je sais pas. Ok. Donc, barquette. Hop. Voilà. C'est bon. Non, c'est pas bon. Donc, il y a deux T. Ok, mais frites. C'est bon de manger. Mange la barquette. Ok, mais c'est ce que j'ai écrit. Mange la barquette de frites. Qu'est-ce que. J'ai pas fait de faute. Mange la barquette de frites. Ah, peut-être qu'il y a aussi un espace devant. Non, il n'y a pas d'espace. Il y a un espace derrière. D'accord. Du coup. Ok. Faut bien faire attention à chaque espace. C'est assez compliqué. Kaline le carlin, ça c'est bon. On vole les photos de Lady Gaga. Il faut faire attention aux majuscules aussi. Bon. Ah ouais, donc là il y a juste ça. Il y a un espace devant. Donc ça on copie. Ok, on a ça. D'accord, on recommence. Donc on va directement à la pile de vêtements. La pile de vêtements. Hop, on a la phrase. Donc là normalement tout est bon dans le cochon. Et voilà, c'est bon. J'ai marché sur la dalle. Super. Je crois qu'on va pas y arriver en fait. Moi, je suis vraiment un nul à ce genre de jeu. Et comme vous pouvez le voir, hein, ça se vérifie. Du coup, on a ça. Hop, c'est bon. Là, on a la phrase. C'est bon, nickel. J'ai marché sur la dalle. Allez, encore une fois, pour changer, on peut le faire. Dernière tentative et puis si j'arrive pas ben tant pis on va abandonner mais voilà je veux pas partir sur un échec du coup on tente le coup hop on va oh merde j'ai bon là c'est le vigile qui m'a eu du coup on va recommencer encore une fois une dernière fois et puis ben, je vous invite à me rejoindre sur Abo City pour tester vous aussi ce jeu tac on a ça nickel. Merde. Oh, dernière fois, tac, on recommence. Alors, c'est bon, on est à la première dalle, on met la phrase, on va copier directement la deuxième phrase. Tac, on envoie la phrase. Voilà, j'ai envoyé la phrase. Ça, c'est bon. Ouf, voilà, on va là. Ok, on mange la barquette de frites. Super, j'ai mangé la barquette de frites. De bonnes frites belges, c'est ce qui est bon. Hop! Du coup, là, on a les vigiles. Ça, faut faire attention aux vigiles. Hop! On va ici. Hop! Voilà. Et on va. Non! Ouf! Et on a Lady Gaga. Hop! Lady Gaga. Voilà. Et on met la phrase. Et. Non! Mais. Non! Je touchais les Gaga en allant sur la dalle verte. Ah, ok. C'est bon. Là, j'ai réussi. Touche la reine de la musique. Ouh, j'ai réussi. Bravo pour recevoir ton point. Avance sur la dalle rosace verte. J'avance. C'est bon, j'ai réussi. Ouh, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Et bah voilà, j'y suis arrivé. Donc, bah super, j'ai réussi. Je vérifie si j'ai bien reçu le badge.
Normalement, je l'ai reçu. Badge. Ouais, il est là. Voilà. Star sous soleil. C'est bon. Nickel. J'ai eu le badge. Je le mets parce que je suis fier de moi. Et voilà. Ben, on va se laisser là. Je vous invite à me rejoindre sur Abo City pour tenter aussi, vous aussi, de gagner ce jeu. Et puis de monter dans le classement. Hein, et pourquoi pas essayer de me battre. J'ai un point, donc tenter de faire deux ou quoi. Donc voilà. On se dit à demain pour une autre vidéo. Allez, salut!